Vidéo sponsorisée par intérieurmaison.net. Salut, ça fait un moment on ne s'est pas vu. Pourtant j'ai envie. Vanessa. Quoi? Une fille qui lui écrit ce genre de message. En plus, elle dit qu'elle a envie. De toutes les façons, tu viendras m'expliquer ça ici. Hey, faut t'asseoir ici. Aïe, y a quoi encore? C'est qui cette Vanessa qui t'a envoyé le message? Vanessa, salut, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Pourtant j'ai envie. Vanessa. Vanessa. Aïe, c'est qui cette Vanessa? Vanessa. Attends, c'est qui cette fille? Regarde. Ne te fous pas de moi. Quel que son nom est écrit dans ton téléphone. Et puis tu poses encore la question pour savoir c'est qui cette Vanessa. Mais faut te calmer. En fait, il faut bien lire le message. Le message dit quoi? Salut, ça fait un moment. Ça fait un moment. Donc il y a longtemps. Ce qui veut dire que je ne me rappelle plus de cette Vanessa. Il y a longtemps, ça fait un moment. C'est de chercher à savoir ça fait un moment là, c'est quand? Peut-être que c'est des années. Voilà pourquoi je ne me rappelle plus de cette Vanessa. Regarde, ne me prends pas pour une idiote. Faut te calmer ça. Oh, attends, je vais réfléchir. Je cherche à savoir. Moi, je cherche à découvrir. C'est qui cette Vanessa? Faut te calmer, faut te calmer. Vanessa. Oh, oui. Oh. Je me rappelle maintenant. Elle dit quoi? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'ai envie. J'ai envie là, toi tu penses que ça veut dire quoi? Ça te... Attends, c'est Dari. Quand vous vous entendez seulement j'ai envie, automatiquement vous pensez à l'amour. Vous pensez à faire l'amour. J'ai envie. Le blanc n'a pas créé j'ai envie pour dire on doit faire l'amour. Quand tu vas dans le dictionnaire, faut chercher j'ai envie. Ou bien va sur Google, cherche l'expression j'ai envie. Tu penses qu'ils vont dire que ça veut dire j'ai envie de faire l'amour. J'ai envie là, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai envie d'aller jouer ballon. J'ai envie d'aller au champ. J'ai envie d'aller à la piscine. J'ai envie d'aller à la maison. Il y a beaucoup de thèmes qui peuvent dire j'ai envie. Tu vois, j'ai envie, automatiquement tu penses à faire l'amour. Celle-là, c'est une commerçante. Je l'ai rencontrée dans une boutique. Elle vendait des cadeaux précieux, des cadeaux vraiment pas possibles. Et moi, je suis allé la voir, je dis ah, je veux offrir un cadeau à ma chérie, mais je ne sais pas quoi. J'avais pas le cadeau que je voulais t'offrir dans sa boutique. J'ai dit ok, prends mon numéro. Quand le cadeau va venir, fais-moi signe pour que je vienne prendre pour offrir spécialement à ma chérie. Peut-être que c'est le cadeau qui vient d'arriver. Elle m'a écrit pour dire salut, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'ai envie. J'ai envie, c'est quoi? J'ai envie de te dire que non, le cadeau est arrivé. J'ai envie, elle n'a pas terminé. C'est une manière de me dire que j'ai envie qu'on se voit pour qu'on aille chercher le cadeau que tu voulais offrir à ta chérie. Et toi, tu commences à te plaindre. Chérie, désolée. Non, je ne savais pas où. Tu ne savais pas, mais faut attendre, viens t'expliquer. Moi, c'est pas bien. Tu t'as mis pour un faux type comme ça, c'est pas bien. Si elle travaille dans une boutique, je vais faire quoi avec elle? Oh. Réponds-moi. Le bébé veut te voir. Ça maintenant là, tu vas dire quoi? Elle dit quoi? Le bébé veut te voir. Attends. Vanessa. Ce n'est pas la même. En fait, celle à qui je pensais là, c'est pas elle. Oui. Oui, oh, c'est maintenant que je me rappelle, je vois maintenant. En fait, c'est l'ex de mon ami Charlie. Il a eu un enfant avec elle.
Tu vois, donc maintenant elle m'a écrit pour me dire le bébé veut me voir parce qu'il y a longtemps. Tu vois, tu sais, l'ex de mon ami est aussi mon ex. Non, moi je ne la voyais plus, je ne sais plus. Le bébé est devenu quoi, il ne sait pas, le bébé est devenu comment. Donc elle m'a écrit pour dire non, ça fait un moment, on ne s'est pas vu, le bébé veut te voir. Charlie. Oui, mais le bébé il ressemble à Charlie. Hein. Si tu vois son nez là, c'est Charlie direct. Oui. Donne-moi son numéro. Je n'ai pas son numéro, faut lui donner son numéro. Faudrait que je lui donne un faux numéro. Parce que si je lui donne le numéro de Charlie, lui, il n'est au courant de rien. Je vais lui donner un numéro qui n'est pas actif. Hey. Hein? Tu dis quoi? Tu voulais quoi? Non, tu dis quoi? Mais tu voulais quoi? Hmm? Je fais le numéro de Charlie pour appeler. Hein? Charlie, non? Mmh. Ok, donne-moi, je vais me mettre. Ok. Ah, non, t'as déjà dit quoi? Moi, il est mort, quoi. D'accord, faut l'appeler. Moi, mon cœur, papa. Moi, il sait qu'il dit la vérité. Hein? Dis bien, moi, il ment. Ah, il sait qu'il ment pas. Oh, mais. Son numéro ne passe pas. Ah, tu as vu? Ah, bon. C'est qu'il y a su. C'est quasi moi-même, il n'y a même pas chercher à la voir. Tu es l'ex de mon ami. Faut parler à ton papa. Le papa de ton bébé, c'est lui, il peut voir le bébé, sinon c'est pas moi. De toutes les façons, on verra clair dans cette histoire. J'ai échappé, hein.